Chers et chers collègues, Monsieur le vice-recteur à la recherche est souffrant depuis hier et vous prie de bien vouloir l'excuser. Du coup, je me permets de dire quelques mots en guise d'introduction à la communication d'Alain Thouweit. Au nom de Véronique Vassal et de moi-même, je vous remercie très chaleureusement d'être présent physiquement ou virtuellement à cette conférence donnée par Alain Thouweit. Par cette intervention, Alain Thouweit nous fait l'honneur de démarrer les projets de recherche Humanité et questions environnementales que je co-dirige avec Véronique Vassal. Comme je le disais ici même lors de la présentation de ces projets transversaux et transculturels, celui-ci a comme ambition d'aller plus loin que les recherches actuelles sur les seules relations entre l'homme et les animaux. En effet, au cours des dernières décennies, les études sur les relations entre l'homme et les animaux ont connu un essor considérable et la question animale, c'est-à-dire la question du traitement et de la considération juste des animaux par les humains, revient sans cesse. Cet intérêt a été suscité notamment par les travaux significatifs du début des années 80 par Keith Thomas et par Robert Delors, ou encore plus proche de nous, par ceux de Peter Singer et de Jacques Derrida, pour n'en citer que quelques-uns. Les recherches menées par ces pionniers et les surcroît d'attention qu'ils ont attirées sur les animaux ont encouragé de nombreux chercheurs en sciences humaines et sociales à réévaluer la place de l'animal. Or, cette tendance s'est limitée aux seuls animaux et leurs relations avec les humains. Rien d'aussi semblable n'a vu le jour sur les relations entre l'homme et la nature et sur ces questionnements écologiques. C'est précisément cette lacune dans la recherche que le présent projet souhaite, du moins partiellement, combler. Construit autour de deux axes majeurs, le projet de recherche Humanité et questions environnementales s'intéresse donc d'une part à la perception, la conception et la représentation de la nature, et d'autre part, aux sensibilités écologiques des hommes. Le but du premier axe est en effet de réfléchir en commun sur les questions des méthodes spécifiques que peut poser l'étude de l'iconographie de la nature, que ce soit le règne animal, végétal ou minéral. Analyser la façon dont les peintres proposent, construisent, véhiculent, communiquent, voire voile le sens de la nature, permet in fine de mieux saisir certaines mentalités et l'appréhension des espèces animales, végétales et minérales par l'homme. Dépassant les frontières des études visuelles, la recherche au sein de cet axe apportera également des réponses sur la place de l'homme dans la nature et son rôle vis-à-vis de l'environnement qui l'entoure, questionnements qui viendront enrichir les hypothèses de travail du second axe qui s'intéresse, répétons-le, aux sensibilités écologiques des hommes. L'un des enjeux originaux de ce second axe est en effet de connecter l'espace et le temps, la géographie et l'histoire, mais aussi l'esthétique et la théologie, en mettant au centre de l'interrogation le rôle des religions, tout particulièrement du christianisme, depuis l'Antiquité tardive jusqu'à l'époque contemporaine, face aux questions écologiques et environnementales. En accord avec les autres membres du projet, celui-ci a été construit autour de trois cycles de conférences qui aboutiront à autant de publications. Le premier cycle débute aujourd'hui grâce à l'intervention d'Alain Thouweit. Celle-ci portera sur les plantes médicinales et la santé à Byzance. Qui d'autre qu'Alain Thouweit pouvait nous offrir un panorama sur ces sujets? Professeur à l'Université d'Illinois à Chicago et directeur scientifique de l'Institut pour la préservation des traditions médicales, Alain Thouweit est l'un des plus grands spécialistes de l'histoire de la médecine et de la pharmacie byzantine, notamment de l'usage des plantes médicinales. On lui doit une myriade de publications que je ne peux vous citer, sans quoi j'aurais été obligé d'empiéter sur son temps de parole, voire ne pas lui laisser la parole du tout. Oui,
Alain est prolifique et ses publications se comptent par centaines, je dis bien par centaines, et dans plusieurs langues. Véritable érudit international, Alain, avant de faire carrière aux États-Unis, a travaillé en Belgique, où il a fait ses études, en France, en Italie, en Espagne, et il a collaboré avec des chercheurs des quatre coins de la planète. En 2005, il a reçu une subvention du National Institute of Health pour un projet de recherche intitulé « Plantes médicinales de l'Antiquité, une base de données informatisée ». Dans le cadre de ce projet, les textes thérapeutiques en grec ancien ont été alors numérisés, indexés et analysés dans leur langue originale, puis traduits. Par ailleurs, en septembre 2019, il a reçu le prix Edward Kremers de l'American Institute for the History of Pharmacy comme récompense pour ses recherches sur les plantes médicinales de l'Antiquité, mais aussi son approche transdisciplinaire, autrement dit, non seulement philologique et historique, mais aussi botanique, médicale et ethnologique. Je l'ai connu à Paris il y a plusieurs années déjà. À l'époque, je venais de commencer mon doctorat et j'avais besoin de consulter sa propre thèse de doctorat. Je suis sorti de cette première rencontre, qui s'est passée pas très loin de la Cato, enthousiasmé. Et depuis, nos nombreuses rencontres ont été toutes fructueuses les unes que les autres. Ce qui m'a toujours fasciné chez Alain, c'est sa capacité d'analyse et de compréhension des phénomènes socioculturels, souvent à partir de quelques infimes détails. Ainsi, grâce à ces travaux, nous avons pu approfondir nos connaissances non seulement sur l'histoire des sciences en général, celle de la médecine et de la pharmacie en particulier, mais et surtout de mieux circonscrire la civilisation byzantine et les mentalités de certains de ses plus éminents érudits. En effet, pénétrer les abysses d'une civilisation éloignée à travers les connaissances scientifiques de ses savants autorise parfois, de la circonscrire sous un autre angle, sous un regard totalement neuf. N'oublions pas que les sciences faisaient partie à Byzance de l'enseignement encyclique. Ainsi que le terme d'Enciklios l'indique, le but de cet enseignement était de fournir aux élèves les connaissances encycliques ou circulaires, c'est-à-dire un savoir complet, global, sur l'ensemble des disciplines. L'enseignement encyclique comprenait essentiellement la grammaire, la rhétorique et la philosophie et les quadrivium des sciences avec l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. D'autres matières comme la médecine étaient enseignées en parallèle. Cette éducation profane était appelée par les Byzantins les sciences du dehors, par opposition aux sciences de chez nous, les sciences religieuses. En effet, dans l'instruction païenne, c'est-à-dire dans l'Antiquité, l'enseignement encyclique était envisagé comme une propédeutique à la philosophie. Toutefois, si la philosophie couronnait l'instruction païenne, l'innovation chrétienne avait consisté à ce que ces cursus servent de double emploi, conduisant à la fois à la philosophie antique, lorsque celle-ci était conservée, et à la théologie. Néanmoins, très souvent, on dénigre les tentatives de compréhension de la civilisation byzantine à travers la connaissance de leur propre formation culturelle des bases, qui leur était pourtant si chère. Alain, pur produit de la byzantinologie belge qui a su promouvoir l'histoire des sciences et de la médecine, l'a fait et continue de le faire de la façon la plus brillante possible. Non seulement lui-même, par ses nombreux travaux, a su circonscrire sous un œil nouveau les comportements de l'Homo Byzantinus dans différentes époques et contextes sociaux, mais il a aussi donné l'occasion à de nombreux jeunes chercheurs de les faire grâce à sa collection de manuscrits, d'archives et d'imprimés, portant notamment sur l'histoire de la médecine et de la pharmacie des civilisations médiévales du pourtour méditerranéen. Pour avoir eu le privilège de l'avoir consulté, celle-ci est d'une aide extrêmement précieuse. Aucun des grands centres scientifiques européens ne possède une telle collection, et j'ai toujours été admiratif devant la passion d'Alain de rassembler, volume après volume, tant de choses
depuis plus de 50 ans. Je ne peux qu'espérer que rapidement, il rapatriera en Europe cette collection unique au monde pour que d'autres générations de jeunes chercheurs sur les vieux continents puissent plus aisément prendre possession de cette richesse hors du commun. Avant de lui céder la parole, je tenais encore une fois à le remercier très chaleureusement d'avoir accepté de partager avec nous ses connaissances sur le sujet et inaugurer ainsi le premier cycle de communication de l'équipe de recherche Humanité et questions environnementales. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Stavros. Merci aussi à Madame Vassal pour l'accueil auprès de l'Institut catholique de Paris, que je connais depuis longue date. Et je connais aussi Stavros depuis très longtemps. Et plus de 30 ans, je crois. Il m'a toujours terrifié, parce qu'il connaît mes œuvres mieux que moi. Alors, il arrive à me dire que j'ai publié quelque chose dans un machin truc intel que moi j'ai oublié, évidemment, depuis lors. Mais donc, il arrive à mettre tous les morceaux ensemble et il l'a encore fait de façon tout à fait splendide. Et je le remercie pour cette introduction qui, de nouveau, me terrifie un peu parce qu'avec un programme tel qu'il l'a exposé, j'espère d'arriver à être à la hauteur en parlant juste des plantes médicinales. Et donc voilà, pour commencer avec le sujet, on va parler des plantes et une question de méthode. Parce que quand on parle des plantes, ça a l'air un sujet très évident. Et tout le monde, dans le milieu des archéologues, des philologues classiques, pense à des petites sculptures comme la présente ici, 1650, au musée d'Iraclio, ou une mosaïque comme celle que l'on voit ici, avec ce qui est manifestement des figues, ou encore pour ceux qui vont jusqu'à Rome et qui visitent le Museo Nazionale Romano, les fresques de la Villa di Livia, ce qui pourrait être ici des coings, à moins que ce ne soit des citrons qui ont été importés à l'époque récemment à Rome. Et donc, ça a l'air que c'est facile. Alors, quand on arrive au Museo Nazionale Romano, sur cette petite mosaïque, on commence à avoir des problèmes. Parce que dans l'angle supérieur droit, vous avez quelque chose qui ressemble à un ananas. Et il n'y a pas moyen de démontrer que ce n'est pas un ananas. Stavros s'est oublié de le dire. J'ai passé 15 ans au musée d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution, Department of Botany, entouré de botanistes. Et donc, revenant de Rome, tout fier d'avoir trouvé cette mosaïque et la reproduction, je l'ai montré aux botanistes qui, première réaction, se sont bien amusés. Mais ils ont évidemment tenu à me démontrer que j'avais tort. Ils n'y sont pas arrivés. Donc, c'est un ananas. Et ici, les problèmes commencent. Parce que l'ananas, c'est bien évidemment le Nouveau Monde. Et donc, comment peut-on avoir un ananas dans le monde romain? Mais vous verrez que ce n'est pas la fin des surprises. Et en fait, si l'on veut étudier les plantes, c'est un problème complexe qui demande d'utiliser une méthode adéquate. Et ici, j'ai tenté de réunir dans une même diapositive tous les éléments qui peuvent contribuer à permettre d'identifier les plantes. Et quand je dis identifier les plantes, il ne s'agit pas de dire c'est un ananas, c'est une pomme ou quoi que ce soit, mais de proposer une identification linéenne, un binôme linéen qui corresponde à l'état actuel de la taxonomie, vu que la taxonomie aussi évolue. Et donc, toute recherche digne de ce nom qui prétend contribuer à la connaissance des plantes dans le monde antique doit idéalement pouvoir travailler en fonction de ces divers critères que j'ai réunis dans une diapositive. Et donc, je vous laisse imaginer, bien sûr, que c'est une tâche complexe qui demande du temps, des matériaux. Ici, c'est par exemple la collection, la bibliothèque que j'ai rassemblée avec l'aide de mon épouse Emanuela qui est assise là. Et donc, si parfois je me laisse échapper à dire « nous avons fait quelque chose », ce n'est pas un « nous » majestatif, mais c'est Emmanuel et moi-même. Et donc, je parlais de matériel. La collection que nous avons constituée rassemble, entre autres, tous les matériaux qui peuvent être nécessaires pour étudier les plantes. Et donc, naviguant dans un milieu scientifique, hard sciences, hardcore, la Smithsonian, c'est le CNRS américain, multiplié par 200 peut-être,
Je voulais absolument avoir ce qu'on appelle « solid evidence » à propos des identifications de plantes. Et nous sommes venus à connaissance, ici c'est mon nous, nous sommes venus à connaissance de ces tablettes que vous voyez là, qui ont été récupérées d'une épave datant de 140-120 avant Jésus-Christ. Et donc quand j'ai su que cette tablette existait, j'ai absolument voulu en avoir des morceaux pour pouvoir faire de l'identification de l'ADN, parce que si vous voulez vraiment de la solide evidence, il n'y a que l'ADN qui compte. Tout le reste, ça ne marche plus ou moins pas. Et donc voilà, nous nous sommes mis au travail. C'est un navire qui a fait du cabotage, sans doute depuis la côte de la Méditerranée orientale, et qui a coulé au large de la Toscane, dans la fameuse baie de Piombino, qui est très belle au demeurant. Et lorsque nous avons commencé à faire de l'ADN, nous avons vu des tournesols. Problème, évidemment. Mais donc, vu que j'avais déjà un peu d'entraînement avec ça, avec mon ananas, je n'étais pas trop terrifié. Et d'autant moins que dans un de mes travaux, je suis arrivé à identifier en fait une description, une représentation du datura dans les textes antiques. Et donc, à moi, commencer à discuter la répartition Old World, New World, ça ne me crée pas trop de problèmes. Mais quand même, un tournesol, c'est un peu gênant. Et donc, nous avons continué l'analyse, nous sommes allés sur place et nous avons parlé avec les plongeurs qui, à l'époque, ont fait l'excavation, les fouilles de cette épave. Et il est apparu qu'au soir venu, ils déposaient tout leur matériel dans un champ de tournesol. Et donc, le tournesol, c'était de la contamination. Et une fois que nous avons réussi à éliminer la contamination, ce que nous avons trouvé, c'est ce que vous voyez ici. Et donc, j'ai eu la certitude qu'il y a moyen d'identifier les plantes anciennes. Alors ici, c'est une question qui est beaucoup plus profonde que cela n'a l'air, parce que ça implique que l'ADN n'a pas changé à travers le temps, parce que c'est la première objection que les scientifiques vous font, impossible d'identifier les plantes, l'ADN change à travers le temps. Et de toute façon, il y a des plantes qui disparaissent, et donc ce n'est pas possible. Voilà, nous avons eu la preuve. Ceci pour vous dire que c'est une recherche complexe qui demande d'être technologisée et faite avec tous les instruments disponibles à bord. Et c'est ce que nous faisons. Et nous le faisons à travers le temps et à travers la Méditerranée. Nous creusons une tranchée que vous voyez ici, depuis la Grèce antique jusqu'au XXIe siècle. Et l'objectif de notre recherche est de récolter le plus possible d'informations, parce que nous pensons qu'il n'est pas possible de travailler sur un petit morceau, un petit fragment de texte, pour dire quoi que ce soit. Nous pensons qu'il faut accumuler le plus possible d'évidence, de solid evidence, pour pouvoir faire des constats qui aient quelques valeurs statistiques. Alors évidemment, si nous parlons du monde végétal, de la nature et des relations entre l'homme et la nature, il faut interroger le climat. Alors ici, c'est une des multiples directions dans lesquelles nous allons. Nous ne sommes pas des spécialistes de la climatologie ancienne, mais nous utilisons les travaux en la matière. Et donc, il y a effectivement eu des changements climatiques. Et ici, vous voyez la table des changements climatiques reconnus par les gens qui sont spécialisés sur cette question. Et alors, vous voyez ici au centre qu'il y a cette anomalie climatique. Anomalie parce qu'en fait, c'est une période qui est plus douce et qui est plus favorable que les périodes plus froides que nous avons ici. Alors, c'est une appellation théorique. Il n'y a eu absolument pas de glace. Ce n'était pas le retour de la banquise, mais donc c'était un climat plus froid. Et donc, retournant à nos plantes, un changement important qui pourrait avoir eu lieu est en fait ce qui a été appelé « the Arab Agricultural Revolution », une théorie qui a été proposée en 1974 par Andrew Watson, que nous voyons ici, un historien de l'économie à la University of Toronto in Canada,
qui est parti à l'Emérita en 2009. Et donc, vous voyez là la couverture d'un volume qui était publié en son honneur. Et donc, il a publié en 1974 ce premier essai et il a par la suite approfondi l'idée et il est arrivé jusqu'à l'idée d'une « medieval green revolution » qui pourrait avoir changé l'environnement et la nature. En fait, la théorie est intéressante, mais elle a été très fortement contestée parce que les moyens mécaniques grâce auxquels, selon lui, il y a eu cette Green Revolution, sont en fait un renouveau de techniques qui existaient, par exemple l'irrigation romaine qui avait été abandonnée par la suite et qui a été remise en marche par les Arabes, première chose. Et deuxième chose, plusieurs des espèces végétales que Watson prétendait avoir constitué la Green Revolution étaient déjà connues du monde antique. Elles avaient été abandonnées, mais donc elles ont été réintroduites. Ceci dit, il y a malgré tout de nouvelles espèces qui ont été introduites, et vous voyez ici cette superbe, allez, son nom m'échappe, eggplant, aubergine, je m'excuse. Bon, parce qu'en fait, je parle tous les jours en trois langues, et donc parfois ça m'échappe. Donc, vous avez ici cette superbe aubergine qui, effectivement, a pu modifier le paysage agriculturel. Mais il y a aussi des plantes sèches qui sont arrivées. Alors ici, nous voyons sur la droite de la page les clous de girofle. Et donc, mon point est que, certes, l'environnement naturel peut avoir changé dans sa dimension agriculturelle, mais il y a aussi l'environnement des plantes sèches qui a changé. Et ici, nous avons la page d'un manuscrit daté vers 1050, conservé au Mont Athos, au monastère de Megisti Lavra, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de voir et d'avoir dans mes mains. Très rare privilège, non seulement parce qu'il faut être un homme pour aller là, mais en plus parce que les moines ne laissent pas voir facilement les manuscrits et encore moins celui-ci. Le moine me disait que la clé de la vitrine dans laquelle il était perdue. Après une demi-journée, la clé, comme par hasard, est réapparue. Et donc, j'ai pu voir le manuscrit, l'avoir dans mes mains et en faire des photographies. Ce qui est important, c'est que nous avons ici un feuillet en tête du manuscrit avec ces illustrations-là que je vais analyser quelque peu pour voir ce qu'elles nous disent à propos des plantes à disposition. Et donc, sur la gauche, j'ai repris une partie de l'illustration que nous avons ici, donc celle-ci ici. Je l'ai reprise ici. Et vous voyez qu'il s'agit d'une cannelle malamatron, en grec byzantin, ou en grec ancien aussi. Et donc ici, vous le voyez sous la forme d'une feuille qui est clairement divisée en deux, ici. Et donc ici, vous avez ceci qui représente une surface aquatique, c'est de l'eau. Et en fait, quand on connaît les manuscrits du Dioscoride arabe, on retrouve une illustration tout à fait semblable dans le manuscrit 289 de la bibliothèque de Leyde, daté de 1081. Et quand vous regardez bien, les feuilles ici ont exactement la même séparation que dans le manuscrit ici du Mont Athos. Et donc, j'ai tendance à croire qu'il y a un contact entre les manuscrits arabes et le manuscrit grec. Et si l'on continue, on regarde ici cette illustration qui est supposée être l'arbre de la cannelle. Et en fait, si vous regardez bien, on comprend que l'artiste n'avait jamais vu un arbre à cannelle, mais qu'il a représenté des petits tronçons ici, c'est ce que j'ai représenté ici, des petits tronçons de cannelle, comme si c'était des troncs d'arbres, et au-dessus, il a mis une petite touffe là, de feuilles, comme si cela était l'arbre de la cannelle. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas tellement les erreurs graphique et visuel de l'artiste, mais le fait qu'on a la preuve ici, ça c'est de la solid evidence, je pense, on a la preuve que la cannelle sous forme de petits bâtons était connue à Byzance. Et donc, continuant l'enquête, sur la même page, vous vous souviendrez, il y avait dans le bas cette partie ici, avec une plante que j'ai entourée, Nardos. Et donc, nous sommes toujours dans le même manuscrit, et ceci est la plante. Alors, cela n'a absolument rien à voir avec le dessin, là.
Et la question est, comment est-il possible que de cette plante, nous arrivions à ce dessin? En fait, la solution est assez simple. Quand vous y êtes arrivé, mais quand vous y arrivez après 20 ans de travail, vous vous maudissez d'avoir eu besoin de 20 ans pour y arriver. Mais quand vous y êtes, vous vous dites, évidemment, c'est ça. La partie médicinale, ce sont les racines qui forment ici cette espèce de petit balai, comme un petit balai de sorcière, si on veut. Et vous voyez qu'elles sont coupées là, de la racine maîtresse, et puis on a ici tous ces filaments qui forment la matière médicale. Et en fait, quand on regarde l'illustration du manuscrit de la Lavra et les racines, regardez bien, je les retourne, et voilà. J'ai ma représentation à gauche. Et donc ici, ce que nous avons de nouveau, c'est une solid evidence de la présence des racines du Nardos à Byzance, mais nous avons aussi la preuve tout à fait évidente que la plante fraîche n'était pas connue, seulement la drogue, pour utiliser le terme du jargon de la matière médicale. Et en fait, ceci, c'est la Silk Road, le transfert des plantes. Et nous avons travaillé sur la question du transfert des connaissances avec les plantes. Parce que transférer une plante, somme toute, c'est facile. C'est une question de commerce, trade. Mais transférer les connaissances relatives avec la plante, ça, on ne le savait pas. Et donc, nous avons cherché pour voir si les plantes véhiculaient aussi la connaissance de leurs usages et nous avons publié un très gros article là-dessus. Et donc, pour en venir à la question de la relation entre les plantes et la santé, vous me permettrez de faire un survol de la production ancienne et de voir ce qu'on y trouve, parce que ceci est important pour comprendre ce qui s'est passé à Byzance. Vous le saurez tout aussi bien que moi que, dans le meilleur des cas, Byzance est considéré comme le transmetteur de l'héritage antique, sans avoir porté rien de nouveau. Ça, c'est ce que vous trouverez partout. Mais donc, mes travaux ont été dédiés à démontrer que ceci n'est pas le cas. Et donc, on commence avec Hippocrate, évidemment. Ici, le fameux platane sous lequel Hippocrate aurait enseigné. Et ici, rapidement, vous voyez en dessous les volumes de l'édition Littrée, qui sont l'édition standard actuelle, en cours d'être remplacée. Et le volume par Jacques Jouanna, professeur de grec à la Sorbonne ici, qui est en fait l'ouvrage de référence sur la question. Pour ce qui est des plantes, le système hippocratique d'usage des plantes, usage médicinal, repose sur le système quaternaire que j'ai résumé ici, avec les quatre qualités donc, qui sont les quatre pointes de mon losange et qui sont groupées par opposés, humides et secs verticalement et froid et chaud horizontalement. Et alors vous avez des connexions avec les matières, les éléments du monde, l'eau, l'air, le feu et la terre, les quatre saisons de l'année et aussi les quatre composants du corps, le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire. Et ces ensembles, ces éléments contribue à permettre de comprendre le fonctionnement du corps humain avec sa relation à l'environnement et aussi avec les cycles annuels et aussi les cycles journaliers. Si l'on regarde les plantes médicinales, et donc ici c'est le programme auquel Stavros a fait allusion, donc de databasing les textes anciens que nous n'avons pas traduits, Stavros, nous les avons travaillés uniquement en grec. donc nous avons rassemblé pour chaque plante, et donc ici vous avez la preuve qu'on n'a pas traduit, Abrotonon, Akras, nous avons maintenu les noms grecs des plantes. Nous avons recueilli pour chaque nom de plante les usages, et ce qui est important, c'est que travaillant dans le monde scientifique, toutes nos informations sont toujours avec une double référence. Ça, c'est la référence à l'œuvre, avec le chapitre, ici, par exemple, mais aussi avec l'édition. Et donc, cet élément ici se trouve dans le volume 2, page 466, ligne 1, de l'édition de Littré que nous avons vue ici. Et donc, toutes nos informations sont toujours vérifiables à tout moment. Et donc, voilà, nous avons fait la somme de toutes les informations pour toutes les plantes. Alors, évidemment, par exemple, ici, nous avons l'hystérie que j'ai mise en italique
pour rester très prudent avec l'usage de ce mot. Et quoique l'on pense traditionnellement que la matière médicale et la thérapeutique médicamenteuse des corpus hippocratiques soient faites de plantes médicinales de simples, il y a aussi des médicaments composés. Et donc ici, par exemple, nous avons mis ensemble tous les éléments relatifs à un médicament avec ses variantes. Et donc vous voyez que nous avons ici le miel et l'encens qui est commun dans tous les médicaments. Nous en avons deux où il y a le cyprès qui intervient. Nous en avons deux où nous avons la courge. Et puis nous avons d'autres éléments ici, le cumin et l'absinthe. Alors ce qui nous intéressait, c'est d'abord la preuve qu'il y a des médicaments composés dans le corpus hippocratique, mais aussi la présence de l'encens. Et selon une interprétation que nous avons examiné, ceci était fait pour donner plus de prestige aux recettes, aux formules des médicaments. Parce que l'encens n'est pas une plante native du monde grec, et donc il devait être importé, il était coûteux. Et donc de mélanger une substance coûteuse, rare, venant de ce qui était pour le monde grec l'Extrême-Orient, ajouter du prestige aux recettes. Mais en fait, nous avons cherché... Je m'excuse. Nous avons analysé, recherché dans la littérature, les propriétés médicinales de l'encens, qui est un antiseptique et un bactéricide. Et donc, la présence de cet encens n'est pas du tout pour rendre la formule chic et chère, mais pour la rendre efficace. Et d'une chose à l'autre, nous nous sommes interrogés aussi sur les rois mages qui ont apporté de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Et je ne pense pas qu'ils aient apporté ça à la jeune mère, à l'enfant Jésus, mais plutôt à la jeune mère qui venait d'accoucher. Et nous savons tous trop bien qu'il y a de nombreuses femmes qui sont mortes en couche jusqu'à une période pas tant éloigné en fin de compte. Et donc, ceci est le genre de travail que nous faisons et de réflexion que nous faisons pour comprendre de l'intérieur comment sont ces médicaments, comment ils marchent, et donc, par voie de conséquence aussi, quelle est la relation entre les hommes, la santé et les plantes. Alors ici, nous avons continué donc avec notre banque de données en voyant les plantes, le nombre de plantes qu'il y a dans le corpus hippocratique et le nombre de formules. Alors vous voyez que nous avons ici 380 différents termes de plantes et 3100 formules. Et alors l'interprétation habituelle est que c'est un achievement, c'est un grand succès pour la médecine hippocratique d'être réussi à connaître 380 plantes. Mais alors, lorsque nous travaillons avec les ethnobotanistes, les gens qui maintenant font du terrain auprès des populations qui utilisent une médecine traditionnelle, la première chose, c'est qu'il n'y a aucune, absolument aucune culture traditionnelle qui utilise plus de 300 plantes, qui connaît 300 plantes et qui les utilise. Donc, on a déjà eu un problème avec ça. Alors, nous avons fait une analyse et nous avons regardé le nombre de plantes et les nombres de formules. Et nous avons vu qu'il y a 45 plantes qui génèrent plus ou moins la moitié de toutes les formules dans le corpus hippocratique. Et alors, si on continue, la moitié qui reste est générée par 80 plantes et ce qui reste du reste est généré par 255 plantes. Alors, quelle est la signification de ceci? Ici, il y a des médicaments absolument spécifiques. Alors qu'ici, il y a des médicaments généraux. Et quand on voit quels sont ces médicaments généraux, on comprend. Et ici, dans cette table, nous avons mis ces médicaments généraux avec leur nombre d'occurrences ici. Et donc, vous voyez qu'ils sont rangés du plus grand au plus petit. Et nous nous sommes arrêtés à 45 parce que par la suite, ici, après 22, ça commence à devenir des chiffres beaucoup plus bas. Et ce qui est le plus frappant, c'est que ce sont des plantes tout à fait communes. Et donc, ceci nous donne l'idée que les hippocratiques utilisaient les ressources de leur environnement immédiat. Ce qui, en fait, est le jardin de plantes alimentaires et médicinales. Et donc, il y a une totale correspondance entre l'alimentation et le traitement. Et si on continue le raisonnement, on comprend aussi que l'alimentation est de la médecine préventive, puisque ce sont les mêmes plantes que l'on voit ici. Et la seule chose qui est vraiment dérangeante, c'est ici l'hélébore.
Et en fait, la matière médicale la plus employée, encore plus que ça, c'est l'encens, qui a 120 occurrences dans le corpus hippocratique. Alors ici, l'hélébore, comment se fait-il qu'il y a 63 occurrences de l'hélébore? Et de nouveau, ici, nous avons regardé quand les hippocratiques utilisaient l'hélébore, quelles sont les propriétés de l'hélébore, quelles ont été les propriétés de l'hélébore dans l'histoire. Et en fait, c'est un cathartique très virulent. Il faut être même prudent à l'employer. Et donc, le fait de l'employer de façon si généralisée suggère que l'hélébore était employé. Bon, il y a la fameuse fable de La Fontaine avec l'hélébore. Donc, vous savez tous que c'est un purgatif virulent. Administration de l'hélébore, d'abord pour purger l'organisme et préparer le terrain pour que les plantes médicinales puissent ensuite agir. Et donc, ça, c'est le genre de travail que nous faisons pour comprendre comment le système fonctionne. La seconde œuvre sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, c'est Dioscoride. Et donc, on le voit ici, donc il est représenté ici, dans un portrait fictif, fictif parce qu'il est supposé, en conversation avec Galien, qui a vécu un siècle plus tard, natif d'Anazarba. Et donc, ici, la carte, vous voyez où se trouve Anazarba, à la frontière syrienne, plus ou moins. Nous y sommes allés parce que c'était un pèlerinage absolument à recommander, d'aller voir où Dioscoride était né. Donc, ça, c'est le site. Et pour les candidats archéologues, c'est un site qui sera très facile à fouiller parce que le niveau archéologique est à moins d'un mètre du niveau actuel du sol. Donc c'est une fouille facile. Ceci dit, traité de matière médicale en grec, Periiliciatricis, connu habituellement par le titre latin De Materia Medica, et si on veut le rendre en français d'une façon qui rende bien le concept, je pense que ce serait quelque chose comme sur la matière médicale ou sur les substances naturelles pour la préparation de médicaments. Vous avez sur la droite les trois volumes de l'édition standard qui constitue 1000 pages. C'est une œuvre énorme. Alors le texte grec, donc vous avez les références ici, ça ce sont les références de ces trois volumes ici. Il y a une traduction anglaise, une traduction espagnole et il n'y a pas actuellement de traduction française. Les manuscrits du texte de Dioscoride sont très connus dans le milieu de l'histoire de l'art, entre autres pour les représentations de plantes. Et ici, de nouveau, se pose une question de savoir comment étaient les représentations de plantes à l'origine et supposons qu'elles y étaient à l'origine, sont-elles de Dioscoride, remontent-elles à l'ouvrage de Dioscoride lui-même? Et il y a cette théorie que ici, ce manuscrit, qui a une apparence plus naturelle, représente l'état le plus ancien du texte de Dioscoride avec ses illustrations, et que de génération en génération, ces illustrations sont devenues plus schématiques. Et donc, j'ai mis ça ici dans un schéma comme celui que vous avez sous les yeux. Et donc, supposant donc que les plantes, les représentations étaient dans l'original, nous avons ici un manuscrit de Vienne et un manuscrit de Naples. Donc ici, le manuscrit de Vienne, c'est celui avec les représentations naturalistes. Dans celui de Naples, elles sont déjà plus caricaturales, si l'on veut, schématiques. Et nous avons un manuscrit de New York qui est supposé être une copie directe du manuscrit de Vienne. Et si nous faisons cela, et donc, retournant à ma diapositive ici nous avons le manuscrit de Paris. Si nous faisons cela, nous n'arrivons pas à mettre le manuscrit de Paris dans un stemma codicum, dans un arbre généalogique des manuscrits, et nous n'arrivons pas à expliquer d'où ce manuscrit vient, d'où il a tiré ses illustrations. Alors, de nouveau, c'est un sujet de recherche sur lequel j'ai travaillé pour des années, et en fin de compte, je me suis dit, si on retournait l'histoire et si on supposait que les plantes étaient schématiques à l'origine et qu'elles sont devenues naturalistes. Alors, si je fais ça, j'y arrive. Parce que, en fait, j'ai des points communs entre le manuscrit de New York et le manuscrit de Vienne. Et donc, ça marche. Mais j'ai aussi des points communs entre le manuscrit de New York et celui de Naples. Et j'ai des points communs entre celui de New York et de Naples ensemble et celui de Paris, que je n'arrive pas à expliquer dans ce schéma ici. Et donc, si je retourne tout l'arbre généalogique et je fais ce que je montre ici derrière, et donc nous avons l'original,
avec le manuscrit de Paris ici, qui est un descendant direct. Nous avons ici un intermédiaire avec un autre intermédiaire ici. Le manuscrit de Naples est donc qui peut avoir des ressemblances avec celui de Paris. Et le manuscrit de New York, qui effectivement a des similarités avec celui de Vienne, mais il ne les doit pas à une descendance directe du manuscrit de Vienne, mais à un intermédiaire. Mais cet intermédiaire permet aussi d'avoir des liens entre Paris, Naples et New York. Et dans ce cas-là, le naturalisme du manuscrit de Vienne est une innovation du manuscrit de Vienne. Et, plus qu'autre chose, les représentations à l'origine étaient schématiques. Et elles deviennent réalistes parce que c'est une œuvre d'art. Alors la question qui se pose est pourquoi était-elle schématique? Alors ici, nous avons systématiquement regardé les illustrations et le texte. Et nous voyons que les illustrations représentent tous les éléments qu'il y a dans le texte, sans en laisser tomber aucun, mais rien que cela. Et donc, elles sont une table botanique. Et vu que nous étions au département de botanique de la Smithsonian, nous avons parlé avec l'illustrateur botanique officiel de la Smithsonian et nous avons demandé à cette personne comment elle fait pour représenter une plante. Et en fait, elle fait une analyse. Et la représentation, la planche botanique sur la base de laquelle les botanistes font une identification, c'est extrêmement schématique. Et je vous prie de croire qu'on n'arrive pas à reconnaître une plante à partir d'une planche botanique moderne. La planche botanique moderne est en fait une série d'éléments qui sont des clés diagnostiques qu'il faut voir ensuite dans la nature. Alors la question qui se pose encore est de savoir si les illustrations sont originales, c'est-à-dire s'ils remontent à Dioscoride. Ici, de nouveau, nous avons cherché dans toutes les directions. Et par exemple, ici, nous voyons dans les fresques de Pompéi qu'il y a une ressemblance entre la petite plante là que j'ai encerclée et celle que nous avons dans le manuscrit de Vienne. Alors, pour ne pas travailler avec une seule ressemblance, nous avons tenté d'être systématiques. Et nous voyons aussi que l'oléandre se retrouve sur les fresques de Pompéi. Ici, la rose, c'est la même. Et ici, le lierre. Et donc, ceci me semble tout à fait probant. Mais donc, il y a d'autres plantes aussi. Ce qui pourrait sembler être du verre, des petites plantes pour faire du remplissage, en fait, ça correspond plus ou moins à ce que nous trouvons dans le manuscrit de Vienne. Et donc, ici, nous arrivons à cette idée que les représentations du manuscrit de Vienne peuvent être anciennes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont par Dioscoride, mais nous arrivons aussi à la conclusion que les illustrateurs de Pompéi, au moment de faire des illustrations, ont pris des livres et ils ont mis sur les parois ce qu'ils trouvaient dans leurs livres. Et voici donc ici le fameux manuscrit de Vienne. Alors ce manuscrit, j'ai utilisé l'adjectif fameux, est vraiment très fameux, parce qu'il est supposé dater de 512, et après les manuscrits de la Bible, il est un des plus anciens manuscrits conservés. Alors les historiens de l'art ont remarqué de longue date qu'il y a des illustrations de deux types, que j'ai représentées ici avec la rose d'un côté et l'autre plante sur la droite. Et donc vous voyez très clairement que la rose a une apparence de réalisme, de naturalisme, de trois dimensions, de profondeur, alors que l'autre est plate, comme si c'était une planche d'herbier qui avait été aplatie et séchée. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longue date. Mais on ne s'est jamais interrogé sur le pourquoi, le comment, le quand, le où de ces deux types de représentations. Alors, nous avons fait une recherche ici, et nous avons mis ensemble toutes les applications thérapeutiques pratiques de ces deux séries de plantes. Et donc, nous avons deux séries et nous avons vu pour chaque série quelle était la liste des applications pratiques. Et nous avons vu que nous avons en fait deux herbiers, deux manuels, qui, d'un point de vue thérapeutique, offrent la même performance. Ils permettent de faire la même chose sans se dupliquer. Et donc, ce sont deux herbiers qui ont été extraits à partir de Dioscoride pour permettre de traiter l'ensemble des pathologies communes d'une famille, si l'on veut. Et donc, il y a ici deux herbiers semblables qui ont été extraits du texte de Dioscoride et qui, à un certain moment, on ne sait pas quand, ont été assemblés et forment le texte du manuscrit de Vienne. Et ce manuscrit s'ouvre par une série de feuillets qui sont absolument superbes. Et ici, de nouveau, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un chercheur qui a étudié le corps du manuscrit et ses feuillets.
Et cette personne a découvert que le corps du manuscrit et les feuillets ne sont pas de la même époque. En d'autres termes, que le manuscrit a été rehaussé par l'addition d'un cahier avec ses illustrations qui sont absolument superbes. Et si vous n'en êtes pas convaincu, voici la représentation du paon et un paon dans la nature, c'est absolument superbe. Et donc, si l'on continue le raisonnement, le corps du manuscrit est indépendant du reste du manuscrit, ce qui veut dire que le corps du manuscrit n'est pas nécessairement de 512, mais peut-être antérieur. Et si l'on veut pousser le raisonnement encore un pas plus loin, le manuscrit a été acquis sur le marché. Il a été rehaussé par l'addition de ce cahier qui l'ouvre et qui est effectivement superbe, et il a été offert à une princesse. Et donc on ne peut plus dire que c'est un manuscrit impérial, que c'est un manuscrit qui a été fait pour être offert à une personne de la cour. C'est un manuscrit qui a été acquis sur le marché, complété et transformé en un objet de luxe. Mais initialement, il ne l'est pas. Et donc, si on résume, ça nous fait ceci. Et donc, nous avons d'abord cet assemblage de deux parties à un moment qu'on ne connaît pas, l'ajout des cahiers de tête, et ceci nous donne le manuscrit de 512. Alors, la question reste encore de savoir si c'est un manuscrit exceptionnel. Et ici, donc, je reprends la page avec la rose pour que vous l'ayez bien dans les yeux, et nous allons fouiller plus avant dans les recherches actuelles sur les panapsestes. Donc les panapsestes, vous savez très bien, ce sont des manuscrits sur parchemin qui peuvent être lavés pour éliminer le texte qui est actuellement et réécrit. Alors ici, nous sommes au Sinaï, au monastère de Sainte-Catherine. Il y a un manuscrit arabe qui est du 9e siècle, si je ne me trompe. Mais en fait, le manuscrit lui-même est un panapseste dont les feuilles de parchemin remontent au 5e siècle. Et voici ce que nous trouvons si nous analysons le manuscrit avec les technologies actuelles de photographie, une plante médicinale. Alors, donc ça, c'est le manuscrit tel qu'il était recyclé. Ça, c'est le feuillet original remis verticalement. Et donc, si je le compare, ici on revoit, si je le compare à celui de Dioscoride, j'ai exactement la même chose. Le même format, la même mise en page de la plante à pleine page. Et l'avantage, pour ainsi dire, c'est que le manuscrit du Sinaï est du 5e siècle. Donc il est antérieur au manuscrit de 512 de Vienne, et donc il fait perdre au manuscrit de Vienne son prestige de manuscrit le plus ancien et le plus prestigieux. Pour votre information, j'ai repris très rapidement ici, on ne va pas lire tout parce qu'il y a trop, les informations que Dioscoride présente pour les plantes. Alors ici, donc, j'ai pris l'iris, la première de l'ouvrage, et donc il ouvre le chapitre en disant que toutes les espèces sont échauffantes et utiles contre. Et alors il y a toute une série d'indications, vu qu'elle est échauffante, les refroidissements, elle est expectorante et cathartique, et donc elle élimine les substances épaisses dans le cas de la toux. Elle somnifère et provoque la lacrymation, parce qu'en fait, la racine, qui n'est pas une racine, mais un rhizome, quand vous cassez le rhizome, il est effectivement un peu piquant, comme le gingembre. Et si vous le portez aux yeux, il peut faire pleurer éventuellement ténesme, morsure d'animaux venimeux, etc. Donc, toute une série d'indications. Alors, le troisième personnage que nous devons envisager, c'est Galien. Donc, vous avez les dates ici. Et donc, vous comprenez qu'il est impossible que Dioscoride ait été en conversation avec Galien. Une œuvre énorme, 20 volumes en 22 tomes, ça fait un mètre de papier. Et ici, vous avez l'édition standard, publiée entre 1821 et 1833. Et ici, vous avez les ouvrages de référence et vous voyez qu'il y a actuellement un projet de recherche ici à la Sorbonne qui renouvelle la connaissance de Galien avec des éditions critiques de textes. J'en ai pris ici deux, un avec une introduction générale sur Galien et ici un à propos des aliments parce que cela nous intéresse plus directement. Et donc Galien a mis ensemble un traité qui est désigné habituellement par son titre latin sur les médicaments simples, leur mélange et leurs facultés. Et donc il est
est composé de 11 livres, j'ai fait le détail ici, avec la première partie qui est théorique et puis par la suite les plantes, les minéraux et les animaux qui sont présentés en ordre alphabétique de leur nom grec. Et vu la différence entre la partie théorique et la partie pour les plantes, les minéraux et les animaux, on se demande si ce ne sont pas en fait deux ouvrages distincts qui ont été réunis par l'érudition classique. Le point qui nous intéresse ici, c'est que pour chaque matière médicale, et pas seulement les plantes, Galien utilise deux paramètres pour définir leurs propriétés thérapeutiques. La propriété en tant que telle, par exemple, on a vu pour l'iris échauffant, c'est une propriété, mais à cela, il ajoute un degré d'intensité. Et en fait, Galien a créé ici une échelle dans laquelle il a mis les couples que nous avons déjà vus avec le corpus hippocratique chaud, froid, sec et humide, avec 4 degrés pour chaque qualité. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il a mis les deux qualités sur un axe en les joignant. Et donc, il y a un point zéro qui n'est pas l'absence d'aucune qualité, mais qui est l'équilibre des deux qualités. Alors, ici, je peux vous donner l'impression de faire des spéculations vaines, mais en fait, ce fut un problème qui a été étudié de façon très approfondie dans le monde arabe, lorsque les traités grecs ont été traduits en arabe. Alors ici, il y a un ouvrage publié récemment sur la question chez Galien. Alors, la question qui se pose à Byzance, c'est Dioscoride ou Galien ? Parce qu'en fait, Dioscoride, c'est une masse d'informations qui ressemble plus à la pratique des herbalistes. Et Galien, c'est un traité énorme, extrêmement théorique, brillant, qui semble pouvoir être d'application universelle. Et donc, les Byzantins peuvent s'être trouvés devant un choix. Dioscoride plus pratique, disons, Galien plus théorique. Et nous avons la preuve de ceci à travers le nombre de manuscrits de chacun des ouvrages. De Dioscoride, nous avons plus ou moins 150 manuscrits, et de Galien, pour ce traité spécifique, nous en avons une trentaine. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors ici, le manuscrit le plus ancien du traité de Galien, manuscrit du Xe siècle de Constantinople, il manque un N dans Constantinople. D'après son titre, c'est le traité de Galien, complété par des bribes et morceaux de Dioscoride. Mais quand vous lisez le texte dans le manuscrit, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est le traité de Dioscoride arrangé selon l'ordre alphabétique de Galien. Il y a donc une nette préférence de Dioscoride sur Galien, même s'il y a des tentatives pour éventuellement intégrer les deux ouvrages et faire en sorte qu'ils soient compatible. Alors, quand j'ai étudié ce manuscrit dès les années 78, quand j'étais un pauvre candidat PhD, j'étais vraiment dérangé par ces illustrations ici, les illustrations de plantes. Et ici, de nouveau, j'ai passé 2 ans à les étudier, j'ai écrit un article là-dessus, j'ai démontré que les illustrations ne sont pas du Xe siècle, mais du XIVe. Et donc, ce manuscrit qui était utilisé pour illustrer une renaissance artistique et l'intérêt pour les sciences naturelles au Xe siècle, on ne peut plus l'utiliser pour ça. Mais ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre, parce qu'il s'inscrit dans un mouvement très net pour lequel nous avons de la solide evidence d'études de la nature à Constantinople au XIVe siècle. Et donc, en continuant notre analyse des sources, nous voyons qu'au XIe siècle, nous avons un renouveau de la matière médicale avec un traité par Siméon VII, titre grec que vous avez ici, De Alimentorum Facultatibus, sur les propriétés des aliments. Ce qui est intéressant, ici, texte connu depuis longue date dans l'érudition occidentale, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des traductions de l'arabe. Alors ici, une fois encore, nous avons un problème. Nous sommes habitués à connaître les traductions de l'arabe en grec, mais beaucoup moins. Du grec en arabe, mais beaucoup moins de l'arabe en grec. Et ici, nous avons une traduction de l'arabe en grec. Et un des manuscrits les plus anciens est celui-ci qui est à Munich, et 13e siècle, donc sur parchemin, et très intéressant parce qu'il suggérerait que Siméon VII ne fut pas un grec.
Il connaissait l'arabe, évidemment, pour traduire. Il connaissait suffisamment le grec pour traduire, mais il n'était pas à son aise en grec et il faisait plein d'erreurs et des fautes d'orthographe. Alors, dans ma recherche, j'ai aussi fait des inventaires systématiques des manuscrits médicaux grecs. Et donc, en 2016, j'ai publié ce Census of Greek Medical Manuscripts. Et en 2021, j'ai publié ces 5 volumes qui font la somme des manuscrits grecs. Et ce faisant, nous avons découvert toute une série, non seulement de manuscrits, mais aussi de textes qui avaient été négligés ou qui n'avaient pas été vus. Et donc, qui renouvellent complètement la question de connaître la médecine, la botanique et la thérapeutique du monde byzantin. Jusqu'ici, j'ai parlé de la connaissance des plantes et de leur analyse. Une chose qui nous intéresse aussi, c'est la pratique de la thérapeutique. Alors, nous avons déjà vu les petites tablettes du relitto di Piombino, l'épave de Piombino, mais récemment, il y a eu une découverte assez intéressante, sur laquelle il y a somme toute peu de publications. En Turquie, donc à l'ouest d'Istanbul, à Batonea, les archéologues, grâce au changement climatique, en fait, un lac qui a été desséché à cause de la température, et un site archéologique est venu à la lumière. Et dans ce site, les archéologues ont découvert un local dans lequel il y avait, ici vous les voyez à l'œuvre, toute une série de petites fioles qui mesurent quelque chose comme ceci, 10 cm, qu'ils ont analysées, et ils pensent que c'était des médicaments, des conteneurs à médicaments. Et donc, vous les voyez ici comme ils les ont trouvés, ici comme ils les ont rangés dans le magasin du musée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une analyse de ces médicaments et ils sont arrivés à la conclusion très étonnante que ce médicament permettait de combattre le stress. Donc, les Byzantins auraient été vraiment très stressés. Mais ici, évidemment, nous avons des problèmes de l'analyse en laboratoire. Je reviens à mes tablettes de l'épave de Piombino. Il y avait avec ces petites tablettes, il y avait aussi des petits flacons comme les petits tubes bleus boirons qui étaient pleins de substances médicinales. Et lorsque les archéologues les ont ouvertes, elles dégageaient une odeur de vanille. Alors, désormais, vous êtes habitué à mon idée de ne pas accepter l'idée New World, Old World. Son vanille ne vous dérangerait pas trop. Mais en fait, il a été démontré assez rapidement que cette odeur de vanille vient d'un processus d'évolution naturelle du buis, qui est le bois de ces petits tubes. Et donc, il n'y a pas de vanille dans ces tubes. Et donc ici, avec ce médicament, je pense qu'on pourrait avoir affaire à un problème du même genre. Je doute que les Byzantins aient eu besoin d'un verre de vin le soir pour se détendre après une journée stressante et qu'ils aient dû prendre des médicaments. Et donc, pour en venir à ce qui est le point de départ de notre examen, y a-t-il un sentiment de la nature? Quelle était la relation du monde byzantin à la nature? Alors ici, on peut chercher du côté de la littérature avec les Hexaimeron qui nous relatent la création du monde et qui donc nous donnent les éléments pour l'homme pour s'interrelationner avec le monde. Mais donc, ce n'est pas le genre de choses que nous étudions, même si nous en avons conscience et nous les avons dans notre bibliothèque. Il y a aussi des analyses littéraires, mais de nouveau, je doute que on puisse se fonder là-dessus, parce qu'en fait, la littérature byzantine est fondamentalement une littérature de reflet de la littérature antique. Et donc, je ne suis pas sûr que l'on puisse toujours prendre pour argent comptant ce que l'on arrive à tirer hors de la littérature byzantine. Et donc, je pense que c'est plutôt du remake, la réutilisation de données textuelles anciennes qui sont actualisées. Il y aurait aussi les illustrations des manuscrits. Alors ici, nous avons que Stavros connaît très bien ce manuscrit ici de la cinégétique qui, effectivement, représente la nature et pourrait donner une idée d'une relation avec la nature. Mais le problème est le même. Les images anciennes peuvent avoir été utilisées à Byzance. Et je vais vous le démontrer ici.
Nous avons le manuscrit de Latos, Oméga 75, donc, et nous avons cette petite scène bucolique, si je puis dire, de deux agriculteurs, probablement, dans le champ, en train de moissonner le blé et se donnant un moment de repos et conversant en toute franchise ici. Nous avons aussi cette belle scène de cueillette de cette plante avec une jeune dame, là, avec quelqu'un là, qui est probablement un esclave, un assistant ou quelqu'un comme ça. Et ici, cette scène tout à fait délicate, ces deux dames qui ont un panier et qui cueillent des violettes. Donc cela pourrait nous indiquer effectivement un sentiment assez spontané de la nature. Et nous avons la même chose ici. Et disons, c'est assez significatif parce que dans ce manuscrit, nous avons bien une douzaine d'images de ce genre. Ici, l'image est un peu différente parce que nous avons des personnages noirs, des Africains, qui ne se réfèrent pas nécessairement à la présence d'Africains à Byzance ou à Constantinople, mais qui sont une clé pour indiquer des plantes d'origine orientale et africaine. Alors ici encore, une scène de cueillette de cette plante. Alors ici, tout à fait délicieux, cet homme-là, ce jeune homme qui est dans l'olivier, a secoué les branches pour faire tomber les olives que l'on voit par terre. Et donc, il y a sur la gauche, là, quelqu'un qui le guide, et sur la droite, une dame qui recueille les olives. Et donc, si on doit en croire une première lecture de ces images, il pourrait y avoir un sentiment de la nature qui est mis en image. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et je prends ici l'image de la bétoine dans le manuscrit de Vienne. Et donc, regardez bien l'image. Mettez-vous bien les caractéristiques de la plante dans les yeux. Parce que nous les retrouvons ici, dans un manuscrit du XIIIe siècle, manuscrit latin, qui est en fait la reproduction au XIIIe siècle d'un texte qui était traduit du grec en latin au VIe siècle. Et donc, si vous avez encore bien dans les yeux l'image de la bétoine, je vous la redonne, vous voyez qu'il s'agit bien de la bétoine ici. La même image que celle que nous avons dans le manuscrit grec. Il y a ce personnage-là, sur le côté. Alors, ici encore, pendant plusieurs années, je me suis demandé qui est ce personnage, que fait-il là, quelle est la signification de cette illustration. Et quand j'ai trouvé la solution, de nouveau, je me suis maudit d'y avoir passé tant de temps. Il y a ici une légende, ce personnage, c'est Esculape, Asclepion, qui indique, qui révèle aux humains l'existence de cette plante et probablement ses propriétés médicinales. Et donc, si l'on y pense un instant, un personnage de la mythologie grecque, c'est une image ancienne. Ni au VIe, ni au XIIIe siècle, un artiste peut avoir créé cette image ab nihilo. Et donc, revenant à mon image ici, on peut supposer, et vous allez voir qu'on a le droit de le faire, on peut supposer que cette image était semblable à celle-ci, mais qu'elle était dépaganisée, créant une planche de botanique naturelle. Jusqu'ici, il me manque un élément, parce que j'ai un manuscrit grec, j'ai des manuscrits latins, et je n'ai pas de contact entre eux. Mais vous allez voir qu'en continuant mon étude, ici je reprends donc mon manuscrit du XIIIe siècle et je mets dans le jeu un manuscrit arabe dans lequel nous avons la bétoine, on reconnaît la forme de la plante et on retrouve l'individu ici, ici c'est devenu une lance, mais avec un instrument qui n'est pas tellement différent de celui-là. Alors la clé ici, c'est que ces deux manuscrits ne peuvent pas avoir été en contact. Mais le manuscrit arabe doit absolument avoir eu un modèle grec. Et donc, ce modèle grec, on peut raisonnablement, ce n'est pas de la solide evidence, c'est une supposition raisonnable. On peut supposer raisonnablement que le manuscrit grec contenait une figure semblable à celle-ci. Et ceci est ce que j'appelle une traduction d'une illustration. Et les artistes arabes aiment la symétrie. Et donc, au départ d'une illustration comme celle-ci, ils ont créé ceci en ajoutant un second personnage qui est en fait tout à fait caractéristique du sage, du médecin, du philosophe dans le répertoire iconologique
arabe. Et donc, je pense que l'on peut dire, sans trop de risques, que les illustrations, les scènes apparemment bucoliques du manuscrit de Latos ne sont pas des créations du XIe siècle, mais sont du recycling, du recyclage, d'illustrations anciennes liées à la mythologie, et vous allez voir, je vais encore en avoir une, liées à la mythologie, mais transformées pour devenir plus ou moins bucoliques. Donc, il pourrait y avoir un sentiment de la nature, mais pas nécessairement si profond qu'on ne le voudrait. Alors, voici ma dernière preuve ici. Cette jeune dame qui a l'air de recueillir les plantes, et la clé ici, c'est le nom de la plante. Artemisia, l'armoise. Et donc, si on considère, comme je l'ai fait pour la bétoine, qu'il s'agit d'une représentation mythologique, nous pouvons supposer raisonnablement que ceci était en fait une représentation d'Artémis, avec la plante qui a porté son nom. Et donc, je ne pense pas que les illustrations du XIe siècle soient des créations originales de l'artiste du manuscrit, mais sont un recyclage, une réinterprétation, une rénovation d'illustrations anciennes avec une transformation vers quelque chose effectivement qui est plus naturel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à la même période et par la suite, nous trouvons des illustrations dans les manuscrits arabes avec toute une série de représentations d'individus. Et donc, vu que dans le manuscrit de Latos, nous avons vu une influence arabe, souvenez-vous, la cannelle, les petits bâtons de cannelle qui sont devenus des arbres. Donc, il y a une influence arabe sur ce manuscrit. Il pourrait très bien aussi y avoir eu une incitation à reprendre des scènes avec des personnages, comme dans les manuscrits arabes. Alors, revenons-en à la relation entre les plantes et la médecine. Nous avons parlé de Dioscoride ou Galien, et nous avons vu que Dioscoride était plus utilisé que Galien. Mais il faut aller plus loin. Il faut réfléchir sur le sens de cette apparente préférence de Dioscoride sur Galien. Et en fait, quand on analyse les textes, on sent qu'il y a dans Dioscoride et Galien deux choses tout à fait différentes. Galien, c'est du réductionnisme analytique. Au-delà de la description, de l'identification des propriétés des plantes médicinales et leur quantification par des degrés, ce que nous avons dans Galien, ce sont des éléments du monde. On l'a vu dans le schéma hippocratique, l'air, le feu, la terre et l'eau. Ce sont des éléments avec des formes, des atomes, mais pas dans le sens de nos atomes, des éléments insécables. Il y a ça chez Galien, c'est du réductionnisme, c'est extrêmement théorique. Chez Dioscoride, c'est le contraire. La plante est prise comme une entité globale qui a une série de propriétés qui peuvent s'appliquer à une série de cas. Et donc, il y a une relation plus générale entre la plante et la médecine chez Dioscoride que chez Galien. Alors, j'ai la preuve de ceci en reprenant Siméon 7. Donc, j'ai dit que Siméon 7 est de la traduction de l'arabe en grec, avec ici les substances médicinales et alimentaires. Alors, quand on regarde ce qui a été traduit de l'arabe en grec et que l'on le compare à ce qui a été traduit de l'arabe en latin, on voit que le monde byzantin a traduit de façon très spécifique un certain nombre de choses et n'a pas traduit des choses que l'Occident latin a traduit massivement. Nous ne voyons pas le canon d'Avicenne en traduction grecque, par exemple. Et le canon d'Avicenne pour les plantes médicinales, c'est du galien. Et donc, ce que nous avons chez Siméon 7, c'est une approche des plantes et du monde naturel qui est semblable à celui de Dioscoride. Et donc, Siméon 7 rentre plus dans la conception globale dioscoridéenne, si vous me permettez le mot, par opposition à l'analytique de Galien. Et ici, j'en ai encore une preuve. Siméon 7, en fait, c'est la traduction d'un traité arabe
par Ibn Butlan, qui est un chrétien né à Antioche, qui a fréquenté Constantinople et qui pourrait très bien avoir rencontré personnellement Siméon VII. Et il a composé un traité qui est très fameux dans l'histoire de la médecine, en arabe, Taqwim al-Siha, qui veut dire table de santé. Et donc le mot arabe Taqwim, dans la traduction latine, a été repris tel quel Taquinum Sanitatis. Et donc ce traité a voué une très grande fortune dans le monde latin. Et en fait, l'originalité, et donc c'est là son titre table, l'originalité de l'ouvrage, c'est qu'il présente l'information sous forme de table. C'est une information qui est tabulée et non pas du texte. Ce n'est pas discursif. Avec le problème que lorsque vous traduisez, ou vous faites des tables, ou si vous reprenez les éléments des petites cellules, des petits carrés dans les tables, vous avez un texte qui est complètement désarticulé. Et donc, il faut le rendre plus articulé, qui est exactement ce qu'a fait Siméon VII. Et la preuve que ce traité d'Ibn Butlan, traduit par Siméon VII, est plus compatible avec le monde dioscoridéen, c'est que le traité d'Ibn Butlan n'est pas uniquement à propos des plantes ou des matières médicinales, mais c'est à propos de l'art de bien vivre. Alors, dans l'art de bien vivre, il y a faire du sport, écouter de la musique, se détendre, pratiquer de l'équitation, se relaxer, méditer, lire, user le sexe raisonnablement, mais user le sexe. Et donc ce sont tous les éléments d'une bonne vie, ce qui est exactement la même philosophie que l'on retrouve chez Dioscoride. Dioscoride, c'est un ensemble de correspondances avec la nature. Et la preuve que ceci se trouve chez Ibn Butlan dans les traductions, c'est que lorsque le texte a été traduit d'arabe en latin, comme je vous l'ai dit, le texte est déconstruit et ici nous avons en fait les termes qu'il y a dans chacun des petits carrés de la table, ce qui est un texte qui est un non-texte. Et pour compenser par cette nature du non-texte, dans le monde latin, ils ont les copistes et les producteurs de manuscrits ont ajouté ces illustrations qui donnent l'idée du sentiment que les plantes génèrent. Et donc ici, nous avons ces illustrations tout à fait superbes qui sont caractéristiques de ces manuscrits du Taquinum et qui, à mon avis, donnent un sens, représentent parfaitement ce que Ibn Butlan a voulu exprimer dans son traité, que l'on retrouve aussi chez Siméon VII. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de mon côté, j'ai comparé donc systématiquement Siméon VII, Avicenne et d'autres traités, Ridouane aussi par exemple, arabe, et Ibn Butlan, et que des chercheurs ici à Paris sont arrivés récemment à la conclusion qu'effectivement Siméon VII a connu Ibn Butlan. Les chercheurs parisiens se sont concentrés sur un autre sujet, mais donc il y a une concordance entre mes propres travaux et les travaux de ces chercheurs parisiens. Et donc voilà, que pouvons-nous tirer de cette vaste présentation qui demanderait à être beaucoup plus détaillée. Et donc, ça pourrait être la matière d'un cours de plusieurs années, du reste, et de multiples projets de thèse de doctorat. La recherche sur les plantes est une question complexe. Il ne s'agit pas de dire simplement qu'un nom grec correspond à une plante comme ça. C'est quelque chose qui demande des techniques très précises, depuis la botanique jusqu'à d'autres disciplines, et donc quelque chose de transdisciplinaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire uniquement en lisant les textes ou en ne faisant que de l'archéologie. Et il y a de très nombreuses questions à revoir dans le champ de l'identification des plantes, avec des conséquences très profondes sur l'érudition. Et donc, je crois vous avoir démontré cela sur un certain nombre de cas. Et donc, tout ceci va porter à une révision de l'histoire de la médecine, des sciences et de la culture, et non seulement à Byzance. Et en fait, quand on regarde le monde des plantes à Byzance, et pas seulement à Byzance, on arrive à la conclusion que c'est un système avec des variables multiples.
ce n'est pas quelque chose rectiligne, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui a de nombreux éléments entrant en combinaison et donc des variables. Et il y a eu des transformations répétées et cumulatives. Il n'y a pas eu d'une phase à l'autre élimination de la phase précédente, mais au contraire, c'est une accumulation en strates. Et donc, vous vous souviendrez de ma diapositive avec ma tranchée à travers l'histoire sur la Méditerranée. Sur Byzance, de façon spécifique, il y a un lien très profond entre les plantes, la santé et la nature. Et la nature est un élément qui contribue à rétablir la santé, les plantes particulièrement, parce qu'en fait, les plantes sont un intermédiaire. Elles connectent l'homme et le monde parce qu'elles permettent de réintroduire dans le corps humain des éléments déficients ou altérés. Et donc, il y a un élément tout à fait direct là de symbiose. Et donc, ceci est tout à fait typique du monde byzantin par opposition au monde arabe. Et donc, je vous ai mentionné que dans le monde occidental et dans le monde arabe aussi, dans le monde occidental, il y a eu un très gros intérêt pour Avicenne, et Avicenne, donc, c'est du Galien à l'état pur. Et ceci, mais je ne vais pas entrer en matière sur ce point, ceci a des implications philosophiques très profondes, parce que dans le monde aristotélicien, les plantes n'ont pas un statut plein d'être plein. Et c'est un problème qui se posera à la Renaissance. Comment est-il possible de reconnaître un statut aux plantes? Mais ça, c'est un problème occidental. Les Byzantins n'ont, et Arabes, les Byzantins n'ont pas eu ce problème parce qu'il y avait cette interaction entre l'homme et les plantes. Et voici donc, pour conclure, cette fantastique diapositive de lavande, qui n'est pas la lavande française, c'est la lavande grecque. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Quand je suis rentré dans la salle, je disais à certains collègues que j'étais fatigué parce que ça fait 2 jours que je fais passer des oraux. Mais là, il n'y a qu'un seul mot qui m'arrive à l'esprit, waouh. Et sincèrement, un grand merci pour cette leçon magistrale, Alain, leçon de méthodologie avant tout, et où tu as pu véritablement, je pèse mes mots, démolir certaines idées traditionnelles. Et je pense notamment à la façon de reprendre. Et c'est ce qu'on nous apprend traditionnellement sur la construction de l'illustration scientifique des Dioscorides et comment on est passé des images naturalistes à des images beaucoup plus schématiques. Et on avait déjà discuté par le passé et ta démonstration, moi, ça m'a entièrement convaincu. Je trouve que tu as tout à fait raison. Il faut quelquefois avoir le courage de renverser les problèmes et là, on trouve des solutions. Et je pense qu'il y aura des questions dans la salle ou en virtuel. Et sinon, je ne sais pas si... Pour l'instant, on a des remerciements, beaucoup de remerciements. Si vous avez des questions donc, à distance, n'hésitez pas donc, à les poser. Et puis, donc, je les transmettrai. Si vous me permettez juste un petit commentaire, je ne recommence pas une conférence, un petit commentaire sur ce que Stavros vient de dire. Effectivement, quand j'ai commencé ce genre de recherche, il y avait un corpus d'érudition qui était massif et plein couvert de l'autorité d'une série de pontifes. Et donc, ce fut un long chemin. J'ai travaillé pendant 50 ans sur ceci. Et donc, vous avez ici un résumé, un concentré de 50 ans de travaux. Et parfois, il a fallu se demander si on allait s'attaquer effectivement aux théories qui avaient cours. Alors moi, je veux dire que ça m'a vraiment passionné ce que vous nous avez présenté. Et je travaille sur l'identification des plantes, notamment sur la mosaïque. Et je souffre le martyr parce qu'effectivement, il y a tellement de choses. Et c'est vrai que quand vous avez parlé du fait qu'effectivement, on partait d'éléments qui étaient en fait stylisés, et puis on allait aller. Et c'est vraiment ce que je trouve très souvent en fait, aussi sur la mosaïque. Donc, je n'ai pas fini encore de m'arracher les cheveux. Non. Il est certain que les mosaïstes ont utilisé des livres. Oui, effectivement. Bon, ça c'est.
ça tombe sous le sens. Mais donc, avant de l'affirmer, de l'écrire et de le publier, il faut quand même y penser deux fois. Bon, tout d'abord, merci pour cette passionnante conférence qui m'a fait une belle découverte. C'était super intéressant. Je dois vous dire, je ne connais pas du tout le sujet. Donc, pour moi, c'est une découverte et une belle découverte. Et j'ai trois petites questions, si vous me permettez. Alors, la première question, vous avez dit, en fait, c'est pas possible avec 380 plantes. Historiquement ou scientifiquement, c'est pas possible. Je voudrais comprendre, parce que pour moi, dans ma culture, en médecine traditionnelle chinoise, on a plus de 300, plus de 400 plantes. Et c'est ça que je voudrais voir, pourquoi vous avez cette conclusion, cette thèse-là. Après, deuxième question. Allons une question par question, une question à la fois. Parce que vous m'avez dit que vous avez de nombreuses questions, là. Oui. Moi, j'ai seulement trois petites questions. Commençons par la première. Parce que cette question des 380 ou 300, c'est une question très importante. Nous avons fréquenté, nous fréquentons les ethnobotanistes et ethnopharmacologistes, donc qui sont des anthropologues, qui se rendent dans les parties les plus éloignées du monde et aussi dans les parties moins éloignées. Ici, dans les Cévennes, il y a encore des guérisseurs. Et donc, qui interrogent ces gens-là pour connaître les plantes qu'ils utilisent et les medical conditions pour lesquelles ils utilisent ces plantes. Et donc, quand ils arrivent à obtenir du guérisseur l'ensemble, le range des plantes qu'ils utilisent, il n'y en a jamais plus de 300. Alors, effectivement, le Bensao Gangmu de Li Shizhen, il y a bien plus que 300 plantes. Mais c'est la même chose dans Dioscoride. Dans Dioscoride, nous avons 1000 matières médicales. Mais ça ne veut pas dire qu'à aucun moment, ils aient utilisé toutes ces plantes de façon simultanée. Ah, donc, le Bensao Gangmu est une encyclopédie, un ouvrage de référence dans lequel vous étudiez, mais un praticien se forge un certain nombre de plantes, particulièrement dans la médecine traditionnelle chinoise, avec lesquelles il établit une relation personnelle et qu'il peut utiliser dans sa pratique avec les patients. Mais donc, je doute qu'il y ait des praticiens de médecine traditionnelle chinoise, mais la vraie médecine traditionnelle chinoise, pas le machin truc qui est à la mode actuellement. Je doute qu'ils connaissent à fond toutes les plantes du Bensao Gangmu. Ils font une sélection qui fait partie de leur pratique personnelle et qui fait leur réputation. Merci beaucoup. Et ma deuxième petite question, c'est que vous avez dit c'est vraiment une spécificité byzantine et d'avoir utilisé les plantes pour soigner le corps, la santé. Et à l'encontre du monde arabe et médiéval, en fait, si j'ai bien compris, je voudrais savoir quelles sont les raisons historiques ou géographiques ou sociales qui a conduit cette spécificité. C'est pourquoi c'est byzantine, pourquoi c'est pas ailleurs, pourquoi c'est pas dans le monde arabe. Oui, ça c'est une très bonne question qui demanderait de faire au moins une autre conférence, sinon un cours d'une année. Il y a une approche qui est différente. Le monde arabe et les occidentaux utilisent les plantes, mais ils se relationnent de façon différente aux plantes. Leur relation aux plantes passe par une analyse théorique. Et donc, Galien pose les bases d'un système réductionniste dans lequel les plantes sont une somme d'éléments, très précis, qui agissent de façon très précise sur des organes et sur la structure des organes. Les Byzantins ne font pas comme ça. Ils considèrent la plante dans son ensemble. Et donc, j'ai montré le texte sur l'iris. L'iris est échauffant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, échauffant? Parce que ça aussi, c'est une recherche que nous avons faite. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait des plantes qui soient échauffantes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'iris est cathartique. C'est un
purgatif assez violent. Pas violent comme les labors, mais quand même assez fort. Et donc, on peut reprendre la diapositive de si j'y arrive. Mais bon, vous pouvez me donner la diapositive. Le concept, et c'est ça ce que. Voilà, oui, vous y étiez. Le concept, voilà. C'est ça. Non, c'est pas celle-là. Non, je m'excuse, c'est pas celle-là. Bon, vous pouvez reprendre quand on voit toutes les slides. Non, parce que ça va durer une éternité. Ça. Ici, voilà. Voilà. Ici, oui, voilà. Alors, il faut que je la trouve. Oui, j'y suis. Ici. Vous voyez, non, où est-ce qu'elle est ? Ce doit être. Non. Ce qui est byzantin, c'est, voilà, ici, c'est le concept général. Et donc, le concept général, la plante est échauffante. Et tout le reste que vous voyez est une déclinaison de ça. Et donc, cette idée d'une entité abstraite échauffante de la plante, c'est ça qui est byzantin. Alors, on peut, si on voulait absolument chercher à expliquer cela, on pourrait aller dans la théologie, et donc ce pourrait aussi être mis en relation avec les différents théologiques entre l'Église orthodoxe et l'Église occidentale, toutes les polémiques, contradiction c'est trop fort, toutes les polémiques, les contrapositions, les polémiques qu'il y a eu entre l'Église orthodoxe et l'Église occidentale, parce que les Byzantins sont plus abstraits. Et donc, c'est ce que nous avons ici. Ils sont analytiques, évidemment, quand ils font de la géométrie ou de l'arithmétique ou de la philosophie analytique. Mais dans la relation avec les plantes, ils ont une relation qui est plus globale, qui est plus holistique. Okay. Merci beaucoup. Du coup, ça me permet de rebondir sur ma troisième question. Et parce que là, c'est une belle illustration, parce que dans les plantes médicinales chinoises, on a aussi, par exemple, cette plante est de la nature tiède ou très chaude pour chauffer. Et j'ai trouvé à peu près la même logique. Je voudrais savoir, est-ce que ça vous a fait penser de faire une comparaison historique ou entre la médecine byzantine avec la MDC. Je ne sais pas si c'est déjà sur le chemin ou... Voilà. Merci beaucoup. Je vois Emmanuela qui me regarde. Ce sera pour la prochaine vie, mais si vous voulez le faire pour un PhD sous ma direction ou en collaboration, ce sera très volontiers. Merci beaucoup, ce sera avec plaisir. J'ai un scepticisme parce que Galien dit bien, il a une pratique très forte. C'est aussi un homme de la praxis. J'ai essayé ceci, et puis ça n'a pas marché. Alors j'ai essayé cela. J'ai adoré votre communication. J'ai quand même une crainte qu'on puisse penser que Galien ait eu un système global et qu'il ait fait entrer les réalia dans ce système global, ce que je ne crois pas du tout. Du tout. Il est resté toute sa vie quand même un expérimentateur. Et par ailleurs, sur le rapport entre Dioscorides et Galien, j'ai publié un article qui est sorti là maintenant et que Stavros a entendu ma communication à Lyon, où j'ai montré qu'il y a un Galien byzantin. J'ai utilisé le concept de transtemporalité pour dire qu'il fallait faire extrêmement attention quand on parle de Galien à Byzance, parce que les Byzantins ont une certaine conception de Galien qui n'est pas le Galien antique, mais qui est leur Galien, voilà, on est d'accord évidemment, à eux. Et en particulier, c'est un grand magicien. Oui, certainement. Voilà. Un grand magicien, un grand amuseur, un grand showman. Absolument, mais aussi... Non, mais, oui on est d'accord. On est d'accord. Hein. On est d'accord, parce qu'il y a deux choses, en fait... dans la pharmacologie de Galien. Mais je n'aime pas le terme pharmacologie, parce qu'en fait, je suis d'accord. Il est inapproprié. Mais donc, dans la thérapeutique médicamenteuse de Galien, il y a deux choses. D'un côté, effectivement, il essaye, il touche à tout, il est curieux, je crois même qu'il s'amuse.
le fameux texte avec les petites boules de pain qu'il jette aux poules pour arriver à déterminer la dose létale. C'est très amusant. Et je crois que c'est profondément amusant. Il y a le chevreau aussi. Mais donc, d'un côté, il est un touche-à-tout. Mais d'un autre côté, il essaye d'arriver à subsumer l'expérience pratique dans un cadre théorique. Alors, je suis d'accord avec vous. Il faut prendre les deux choses en considération, disons. Mais donc ici, mon point de vue, c'était vraiment de voir si on peut, à travers l'utilisation thérapeutique des plantes, arriver à mettre le doigt sur une relation à la nature. Alors, c'est là que... Non, mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Hein. Là, on est d'accord. Difficile d'y mettre gagnant. Oui, non, mais on est d'accord. Bon, merci. D'ailleurs, oui. La préférence des Byzantins ou Dioscoride. Oui, mais Dioscoride, à mon sens, c'est une technée. Ils ne le mettent pas sur le même plan. D'ailleurs, dans le manuscrit de Vienne, il y a Galien qui préside et il y a Dioscoride à côté. C'est que c'est une technée. Galien, il est d'une autre nature. Voilà, mais je pense qu'on est d'accord et voilà. C'est... Dioscoride, on parle de Dioscoride, mais en fait, il faut le revoir profondément. Parce que plus je lis son texte, plus je suis convaincu que c'est une mosaïque actuellement. Et j'en ai des preuves très intéressantes. Ça, c'est de la solid evidence. Vous avez un chapitre dans les Solanaceae, dans lequel il décrit une plante en disant que le fruit est comme une olive, mais plus velue que l'olive. Alors là, j'ai déjà un problème, une olive velue, jamais vu ça. Et semblable aux boules des platanes. Alors là, je n'y suis plus du tout. Et puis, dans le texte grec, nous avons « meta de tuto », le fruit est une grappe semblable aux grappes de raisin de fruits noirs. Je n'y suis plus du tout là. Alors, de nouveau, 15 ans au Department of Botany de la Smithsonian, on a regardé ça avec des botanistes, et en fait, on a deux plantes ici, deux Solanaceae. La première, c'est le Datura, et la seconde, c'est la Morelle. Alors, la question est, que fait-on du méta de tutto? Alors ici, c'est le philologue qui revient, qui parle avec le botaniste, et le botaniste qui lui fait son explication, mais le philologue qui se demande qu'est-ce que je fais du méta de tutto. Mais le méta de tutto a deux sens, un sens chronologique et un sens géographique. Alors ici, ce n'est pas méta de tutto, c'est le platane et le datura qui devient la morelle, mais c'est j'ai le platane et après ça, j'ai la morelle. Mais comment j'arrive à faire ça? Si on connaît l'histoire du livre, on peut supposer, et il y a plusieurs de ces coupures dans le texte de Dioscoride, on peut supposer qu'il y a une demi-page qui est partie. Et à un moment, il y a un copiste qui a remis les deux morceaux de page ensemble, meta de tutto. Et après ça, j'ai ceci. Et donc, quand on commence à relire le texte de Dioscoride en pensant que ce n'est pas une œuvre écrite d'alpha à oméga, mais que c'est un conglomérat de choses et autres, ça change complètement la perspective. Mais ça, c'est un autre travail, une autre conférence et un autre cours d'un an. Merci. Une autre question. Alors, j'ai une question en ligne que je vais vous transmettre. Quels sont les éléments qui vous conduisent à écarter une origine des représentations naturalistes plutôt dans le monde arabe que dans la Grèce antique? Oui, donc, il y a une raison tout à fait simple, qui est la documentation. Je n'ai pas de représentation des plantes dans le monde antique. On n'a plus rien. Alors, il y a un concours de circonstances. Donc, non, un pas en arrière. Je crois que mon affaire de la bétoine tient debout. Mon Asclépios... Donc, que j'ai dans le manuscrit latin 13e siècle et le manuscrit arabe 1224, ces deux manuscrits n'ont pas été, et c'est impossible qu'ils aient pu être en contact. Et donc, je dois leur hypothétiser un ancêtre commun.
Alors, je pense qu'il peut y avoir un concours de circonstances. Il y a eu des manuscrits arabes à Byzance, à Constantinople. Et donc, je pense qu'il y a un concours de circonstances là. Après la dépaganisation de représentations mythologiques de plantes, une réintroduction de figures qui, dans le passé, étaient païennes, mais une fois qu'elles ont été cleaned, nettoyées, rendues supportables, rendues acceptables, je pense qu'il y a un concours de circonstances. Et donc, que ce sont les manuscrits arabes qui ont pu remettre ce genre de représentation à l'ordre du jour. Mais là-dessus, je n'ai pas de preuves. Donc ça reste une hypothèse, ce n'est pas une solide evidence. Merci. Okay, une autre question. Existait-il des lieux de production de plantes thérapeutiques du temps de Dioscoride ou Hippocrate ou Galien ? Existait-il des formes de jardins thérapeutiques, entendues comme un mélange de l'architecture des lieux qui se pratiquaient ou se pratiquaient la médecine avec un dehors végétal ? Ça, c'est une excellente question. Pour les archéologues, techniquement, on ne sait pas. J'ai commencé une recherche sur la question en me demandant effectivement où trouvaient-ils les plantes. Alors ici, je reviens, mais on va tenter de... Vous pouvez me redonner, là ? On revient à mes 45 plantes. Ici, si j'arrive à retourner à ça... On revient à mes 45 plantes, parce qu'en fait, ça, c'est une recherche qui est... Où est-ce que c'est donc mes 45... Voilà, non, mes 45 plantes, où sont-elles? Plus bas. Oui. Ici, on... Voilà, ici, je les ai. Mes 45 plantes donnent une idée de là où les thérapeutes se procuraient les plantes pour traiter les patients. Parce qu'en fait... Oui, pardon. Donc, mes 45 plantes donnent une idée de là où les thérapeutes se procuraient des plantes pour traiter les patients. Ce sont des plantes d'usage tout à fait quotidien, qui font partie de l'environnement tout à fait naturel d'une maisonnée, d'un village. Et donc, ça donne une idée d'un lien aussi entre les plantes médicinales et le monde de la famille. Dans le cas d'espèce, ça veut dire le monde des femmes. Mais je reste avec cette question de savoir s'il y avait effectivement des jardins de plantes médicinales, des jardins organisés comme tels. Il y a évidemment, et ça c'est mon autre diapositive, elle doit venir pas tellement, voilà, ici. Ici. Mais 255 plantes qui donnent 500 formules sont des plantes qui sont cueillies dans la nature. Et donc là, une chose que j'ai oublié de dire. Il y a cette fameuse histoire du rhizotomos, le cueilleur de racines. Et donc, on trouve partout dans la littérature que les plantes médicinales étaient procurées aux médecins par les rhizotomoi, donc des gens qui coupent les racines. Alors, c'est vrai que le terme peut désigner quelqu'un qui cueillait des plantes, mais quand même, couper des racines, botaniquement parlant, ce n'est pas une très bonne idée. Vous devez garder les racines de vos plantes. C'est vrai que la racine peut avoir des propriétés thérapeutiques, mais on ne peut pas systématiquement recueillir les racines des plantes. On peut cueillir les feuilles, les fleurs, les tiges, mais pas les racines. Et donc, j'ai déjà un problème avec ce terme. La question que je voudrais arriver à élucider, c'est de savoir s'il y a effectivement des jardins de plantes médicinales définis comme tels et structurés comme tels. Et donc ça, c'est la question ici de l'archéologie, s'il y a des traces archéologiques. Personnellement, je n'en ai pas, mais je ne suis pas un archéologue. D'autre part, il y a cette fameuse tablette d'Idalion à Chypre, 5e siècle. Une guerre entre Idalion et Citium, et il y a des médecins qui viennent traiter les soldats qui ont combattu pour Idalion. Et le roi d'Idalion donne en récompense... Idalion n'a plus un rond, ils n'ont plus d'argent, ils ont tout dépensé pour la guerre. Et donc la cité doit récompenser les médecins. Et au lieu de les payer en espèces, ils les payent en terrain. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans
la tablette, il est dit que les médecins peuvent avoir le terrain et toutes les plantes, et qu'ils peuvent garder ces terrains ad vitam et les transmettre aux générations successives. Et je me demande si ce n'est pas une manœuvre très intelligente de la part de la cité de Citium, mais en plus ce terrain était un peu à l'extérieur. Je me demande si ce n'est pas une manœuvre très intelligente pour en fait garantir l'approvisionnement en plantes médicinales pour la ville. Mais ça, c'est une idée sur laquelle je suis en train de travailler. J'aimerais bien arriver à l'étayer, avoir des arguments pour. Et en fait, donc, ça, c'est au 5e siècle, le développement de la techné, les sophistes, le corpus hippocratique, etc. Ce serait logique dans ce contexte qu'il y ait une cité qui fasse en sorte que l'approvisionnement en plantes médicinales soit garanti. Mais ça, c'est une hypothèse pour le moment. J'aimerais bien arriver à trouver des éléments archéologiques ou avoir de la solid evidence pour passer d'une idée à une explication solide. Oui ? Je suis archéobotaniste. Oui ? Je travaille sur les graines et les fruits conservés dans les sédiments archéologiques et notamment en partie sur les plantes médicinales. Je peux vous apporter un petit élément de réponse qui n'est pas une preuve, mais qui est un argument. Parce qu'à partir de l'époque romaine, au 5e siècle de notre ère, avant notre ère, on commence à trouver de l'ail dans le sud de la France et même dans des régions qui ne sont pas occupées par les graines comme approche. Et on pense qu'il y a des jardins qui se mettent en place. Parce qu'on n'imagine pas que la culture de l'ail soit une culture de plein champ, mais plutôt quelque chose qui soit de façon restreinte, liée à des cultures jardinées à de l'homme. On n'a pas de preuves, on n'a pas trouvé de jardins jusqu'à présent. Mais en tout cas, on a même des documents plus anciens de plantes exotiques qui existent dès le néolithique. Et comme elles sont exotiques, qu'elles ne sont pas autochtones, on peut penser qu'elles sont importées. Et ce n'est pas forcément simplement les graines ou les fruits qui sont importés. C'est que la plante a été transplantée, elle a été acclimatée et qu'on a des sortes de jardins. Alors, on n'a pas de données jusqu'à présent tangibles, mais c'est pour ça que je dis que c'est plus un argument indirect. Oui, je vous remercie pour cette intervention. Et donc, l'ail, comme vous voyez, c'est quand même ma première plante médicinale après les lébores. Et donc, effectivement, il y a intérêt à l'avoir. Mais donc, je n'ai pas connaissance de ces travaux. Et donc, si nous voulions nous mettre en contact, j'apprécierais. Oui, oui. Je me suis trompé, alors, sur le nom français. Il y a deux possibilités, c'est une cucurbitacée. Il y a trois possibilités. Oui, c'est une cucurbitacée. C'est soit la gourde calebasse, soit le melon, soit le concombre. Oui. Mais à culpa. Cette table était en anglais, je l'ai traduite, et donc je me suis gouré. OK, merci. Pareil pour le chou-fleur. C'est la première fois que je la présente en français. Et donc j'ai passé ma journée à la traduire. Mais bon, je suis désolé de vous. Merci pour l'avoir noté. Parce que je l'ai aussi en italien. Mais donc merci pour votre intervention. Et donc c'est très intéressant. Et donc si nous pouvions être en contact, cela pourrait être productif. On a des restes d'ici de plantes médicinales trouvées dans différents sites, et on s'interroge justement sur les connaissances à la fois gauloises et gallo-romaines. Mm-hmm. On a par exemple un site romain qui date du 3e siècle de notre ère, qui est en Seine-et-Marne, à Châteaubleau, où on a de la jusquiam en quantité. Et c'est lié aussi avec la présence de pans, enfin il y a tout un développement, et de chanvre aussi, de grains de chanvre, et puis toute une série de plantes médicinales. Oui. Donc, merci pour votre intervention. Merci. Je ne sais pas à qui passer le micro. D'autres questions ? Non ? En ligne non plus. En tout cas, on a encore beaucoup de remerciements pour cette belle présentation. Merci pour les réponses que vous avez données aussi. Mais c'est moi qui vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, prenons date pour la prochaine conférence. ça ne tient qu'à toi. Il y a les cours aussi. Vous avez mentionné les cours. Ça ne tient qu'à vous. On va y penser. Non, merci, sérieusement. On va en parler à notre doyenne. Un très grand merci encore, Alain. Sincèrement. Merci. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Je vois
Que Manuela veut dire quelque chose. Ah oui, effectivement. Donc, je suis ici à Paris parce que j'ai été invité à donner un cycle de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc, c'est à propos de la médecine byzantine 13e, 14e siècle. La première séance est demain. Et donc, contrairement à ce qui a été annoncé à l'origine, ce n'est pas au campus Condorcet qui était saccagé, d'après ce que je comprends, mais c'est ici, à la rue Vivienne, salle Colbert. Je n'ai pas noté quel est l'établissement, mais donc c'est ici, à la rue Vivienne. Et donc, la première est demain après-midi à 2h30, si je me souviens bien. La deuxième, vendredi, je crois que c'est aussi à 2h30. La troisième, mercredi prochain, donc le 18, et la dernière, mercredi le 25. Oui, donc voilà, Emmanuel me dit que tout est dans le site, que cela peut se trouver. Et dans le site, l'adresse, ce n'est pas la bonne adresse dans le site. Hein. C'est bien que tu dis ça. Je vais envoyer un message. Donc, c'est à la rue Vivienne. Oui. Ça, j'en suis sûr. Très bien. Je n'ai pas noté l'établissement. Hein, bon, je crois me souvenir. Salle. Oui, ok. Et donc, ils m'ont dit que c'était une belle salle, Colbert. Ok. Oui. Galerie Colbert. Donc voilà, je serais ravi d'être l'hôte de Colbert. Voilà, merci encore Stavros. Merci et merci à vous aussi.